Télé Planète Compas présente Variété évangélique. Seigneur, moi crois, c'est mon Dieu. Oui, moi crois, ou Variété évangélique, chaque jeudi soir, 7h, 8h, avec pasteur Myrtille et pasteur Daniel Auguste. Variété évangélique, c'est un programme cap éduqué ou informé ou un programme de prédication et cap diverti ou avec de la bonne musique évangélique. Chaque jeudi soir, 7h, 8h, avec pasteur Myrtille et pasteur Daniel Auguste. Nabdiou, bonne audition. Moi, nous t'aimons.
venons chercher ta face, Seigneur. Éternel, notre Dieu, Papa, nous qui dans le ciel, merci pour l'opportunité que vous avez aujourd'hui pour nous venir, Seigneur, dans la station radio, télé, planète, compas. Non seulement pour nous capables d'honorer non, pour nous bénir non, pour nous salmodier non. Allah bon ça bon, les petites bon Dieu à chercher bon Dieu. Allah bon ça bon, côté des serviteurs, des servantes, qu'on essaie pour les bon Dieu matin, midi et soir. Allah bon ça bon, les petites bon Dieu qui entendent l'un avec l'autre. Allah bon ça bon, les petites bon Dieu qui prient l'un pour l'autre. Allah bon ça bon, les bon Dieu qui petites pour manger à satiété. À la bon sabon, l'Éternel guérit petit li. À la bon sabon, les gens entendent dans la famille. À la bon sabon, l'on famille spirituelle là, tout va marcher bien. Seigneur Éternel, nous ne pouvons jamais suspendre nous, merci. Nous ne pouvons jamais suspendre Salmodie, non. Parce que non, son nom qui bénit. Non, son nom qui grand. Ton nom est grand au-dessus de toute la terre. Ton nom est magnifique, Seigneur. Ton nom est louable, car tu es un Dieu louable. Merci Jésus. Merci pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour la respiration. Merci pour avoir une famille, des enfants. Et Seigneur, des membres de famille. Merci pour avoir des membres de l'église, des frères et des sœurs, qui à tout moment puissent se réunir ensemble pour te prier, pour te salmodier. Merci Jésus. Comment ne pas te remercier davantage pour tout que nous avons obtenu de toi? Car tu nous as donné non seulement la vie, l'être et les mouvements. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Tempête la vie avec tout le monde, en force.
Bon papa, bon papa, bon papa. Alors, je vais lire pour vous dans le livre de Samuel. Samuel, chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 8. Je vais lire pour vous 1 Samuel, chapitre 1er, 1 à 8. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéhoram, fils d'Élieu, fils de Tohu, fils de Souf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait de Pénina. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, parlant de Pénina, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, à Silo, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Ça, c'était la lecture que nous t'ai fait pour dans 1 Samuel, chapitre 1er, du verset 1er au verset 8. C'était pasteur Lucien Mientil, pasteur de la première église baptiste haïtienne de Lemester, pasteur de la première église baptiste de Worcester, qui l'a avec vous en chair et en os, pour te faire lecture ça pour vous. Comment que Elkana, qui te vive dans la ville, et chaque année, il faut y aller à Silo pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Dans peu de temps, nous allons commenter en ces versets pour vous, selon la parole de Dieu. Et nous allons continuer à écouter, à vous faire écouter des cantiques, non seulement pour la gloire de Dieu, mais aussi pour t'égayer, pour te consoler, peut-être dans des circonstances extraordinaires. Nous avons toujours le privilège d'être avec vous, non seulement pour te parler, pour t'encourager, pour te bénir et te garder dans la bonne direction. C'est un privilège encore d'avoir des serviteurs, des servantes comme vous,
même de loin. Je pense à de 7h jusqu'à 8h du soir, vous êtes à l'écoute de Radio Télé Planète Compas pour m'entendre parler et pour faire des commentaires concernant la parole de Dieu. Que Dieu t'en aide, que Dieu te bénisse et que Dieu te donne la vie en abondance. Nous allons continuer à écouter la bonne musique.
voulons profiter de ce moment précieux pour saluer nos amis, nos parents, nos condisciples et amis de longue date. Et nous profitons de cette occasion pour saluer notre frère, ami, Ira Bernier et docteur Roland Milien, le doyen de l'Institut public Timothée, et notre avocat, Zami, pasteur Ricardo Bonachi-Télémac, la sœur Yannick, docteur Daniel Auguste, là où il se trouve maintenant, et les pasteurs de la communauté qui iront samedi soir à Hudson pour prendre part à un gala de la part de MBMM. Nous citons pasteur Patrice Augustin et sa femme, pasteur Lys Joseph, pasteur Georges Guerrier, le diacre Hilaire Meillant et sa femme, et votre serviteur. Nous profitons également ce moment pour vous rappeler que le 19, 20 et 21 décembre prochain, nous aurons notre retraite habituelle dans le même lieu. Par conséquent, nous vous demandons d'inscrire, d'enregistrer afin que tout soit fait et prêt pour la bonne marche de l'Association des pasteurs de la Nouvelle-Angleterre, dont je suis jusqu'à présent le vice-président, accompagné du président Jean-Marie Clairvaux, en secrétaire Dr. William Charles, trésorier Bob Beauchamp, et les autres membres du comité et les autres pasteurs de la comité, et encore sans oublier le Conseil des anciens. C'est toujours un privilège de mettre de côté chaque année des jours, pas des jours de congé, mais des jours de réflexion, car nous allons parler non seulement sur la Bible, sur la famille, sur, par exemple, trauma, sur maladie mentale et autres. C'est un moment de récréation et du même coup, selon la parole, nous devons avoir un temps, un moment pour se reposer afin de nous recréer pour le travail. Car le travail est irritant, le travail est dur. Sans la grâce de Dieu, il était fort possible d'achever et d'arriver au bon port, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, par l'Esprit qui nous vivifie, nous pouvons dire jusqu'à présent, Abba Père, nous sommes au travail. Pour cela, nous demandons à ceux-là encore, ou bien à ceux qui sont encore en retard, de s'inscrire vite pour notre rendez-vous le 19, 20 et 21 décembre 2024. Et sans plus tarder, nous allons passer un morceau de musique, après quoi nous allons commenter sur la famille Elkanah et les deux femmes d'Elkanah. Que Dieu vous aide, vous accompagne et vous dirige dans des moments difficiles. Avant ça, nous allons prier pour Haïti et pour les élections qui auront lieu le 5 novembre 2024 aux États-Unis. Car Dieu peut tout, il connaît tout, il peut renverser le mal, car il est l'auteur du bien. Éternel Papa Mgnasiela, dans un moment ça, on a prié pour le pays de Haïti. Pays qui a toutes sortes de problèmes. Les gens comprennent, ils résoudent, ils l'autre paraît. C'est un mal à plusieurs têtes.
Nous ne connaissons pas qui ça pour nous faire. Nous sommes capables, nous sommes puissants. Mais nous connaissons que nous sommes puissants. Seigneur, permette à nos dirigeants de être capables d'unir pour comprendre qui ça vous fait, qui ça vous voulez pour faire, afin que nous gagnions un pays, une nation, même si tout le monde a parlé de pays, fier de pays, pour nous être fiers de pays, nous, Haïti. Car là, nous étions jeunes, nous étions très fiers de pays. Nous étions très, très fiers là où on parlait de pays. Nous sentions tout sans notre saillie, parce que nous étions de quoi dire et de quoi faire. Mais Seigneur, nous connaissons que le moment ça très difficile pour nous-mêmes, parce qu'actuellement, nous n'avons qu'à fou, nous ne connaissons pas si c'est pour nous monter, si c'est pour nous descendre, si c'est pour nous faire droite, si c'est pour nous faire gauche. Parce que le mal est partout. Seigneur, nous profitons du moment ça tout pour nous prier pour les États-Unis, un pays actuellement, que le peuple a choisi un dirigeant. Mais Seigneur, nous demandons bas peuple là, dirigeant qu'il méritait. Nous t'arrêtons, Seigneur, que ça nous t'a vraiment pour un pays capable de fonctionner et fonctionner dans la démocratie. Car Seigneur, grâce à la démocratie dans le pays, nous sommes capables de vivre, nous sommes capables de manger, nous sommes capables de visiter dans l'école, nous sommes capables de faire choix, nous sommes capables de décider selon nous-mêmes. Ce n'est pas à nous-mêmes pour dire chaque monde qui ça pour faire. Par chaque monde, petit monde, petit, nous grands, nous avons décidé ce qui est bon pour nous-mêmes et nous avons connaître ce qui est bon. Quoique l'âge que nous gagnons, nous avons l'âge de raison qui pour nous permettre que Seigneur nous fait bien à tout le monde, mais surtout à mon qui fait nous bien. Donc, par contre, comment pour nous dire merci? Que le moment ça, ce moment peut-être pas jamais déjà, pas jamais dans l'histoire des États-Unis. Mais la privé tôt ou tard. Par étant pile jour encore, dans 4-5 jours, ce sera l'élection pour président, pour renouveler un tiers dans le Sénat, pour renouveler les députés et peut-être des magistrats ou bien des gouverneurs des États qui sont dans l'élection. Seigneur, on compte pas, je vais être là, je vais déjà devant, pour qu'on ait résultat. Côté eux même qui candidat, pas qu'on ait résultat, mais résultat, non, mais on connaît déjà. Et nous tous à l'attente. Seigneur, nous demandons toute grâce à nos noms Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.
Moi, sans problème, Jésus est tout à fait. Merci, Jésus. Et je crois que tout le monde qui a besoin de moi dit même bagaille ça. Merci, Jésus, parce que Jésus est tout à fait. Je me dis, mais pasteur, m'est-il, où dit Jésus est tout à fait? Je ne peux pas payer ça. Je ne peux pas manger. Malade, j'ai une douleur par-ci par-là, j'ai une douleur dans le pied, j'ai une douleur dans la tête, j'ai une douleur dans la jambe, j'ai toutes sortes de problèmes, même des problèmes imaginables. Et au dim, je me dis merci Jésus parce que Jésus est tout à fond. Oui, ça fait me dire ça, parce que choses, ça, c'est des choses éphémères. L'homme mourir ou pas gagner encore, mais la vie pas finie avec la mort. La vie pas finie avec la mort. C'est la raison ça même qui fait nous dire au monde, dans Jésus à fort, pendant qu'on va vivre là. Et dans 1 Samuel qui s'en est là, il dit que tu as gagné un homme. Et non seulement il dit nom, il cite non homme. Parfois la Bible a un pile non, il dit tu as gagné un homme, mais il pas cité non. Peut-être, et non, il n'y a pas important, ou bien il prend seulement ça à parler sans que il pas cité non monde. Mais à souhait, et tout le monde que nous avons parlé là, nous avons cité. La Bible dit qu'il y a un homme de Ramathaïm qui même dit qui côté dans la région que mon ex a été sorti. C'était mon monde qui se sortit de la montagne d'Ephraïm. Et non seulement il sortit dans la montagne d'Ephraïm, depuis où Ephraïm, on a été un petit. Joseph yo. Ouais, au gantan ouais yo. Au gantan ouais, Ephraïm, c'est le frère de Manassé. Next ça, il aurait été comment relé Elkana. Et non seulement il relé Elkana, il dit non papa, il bal non ascendant ni côté il sorti. Et il a tellement dit que ce monde ça, c'était un Ephraïm qu'il était. Il parlait qui moun Elkana. Et non seulement au parler Elkana, parler de la vie et que mon qui pas parle, mais seulement non maman pas cité. Mais il aller plus loin pour dire Elkana. Elkana te gen deux madame. Même j'entou nous connaît gen plusieurs monde qui gen deux madame. Peut-être yon connu, yon inconnu. Inconnu, c'est peut-être dans le pays la vie là, pas permettre que nous gagnions un monde qui a gagné deux. Mais officiellement, puisque nous avons gagné un, tout le monde connaît ce qu'on a gagné officiellement. Ça qui en bachal là, c'est ou avec certains monde qui connaissent, mais tout le monde ne connaît pas. La Bible dit que Elkana a gagné deux madames, et non seulement dit qu'il a gagné deux madames, il a non deux madames. Yo. La Bible dit Elkana te gon madame te rele Anne. Et Elkana te gon l'autre madame te rele Penina. Anne et Penina, c'était deux femmes que Elkana te gagné. La Bible dit comme ça que Penina te gagné fait petite. Il te gagné garçon, il te gagné fille. Mais Anne pas de gagné ni aucun petite. Et la Bible a ajouté pour dire que c'est l'Éternel même qui te fait Anne stérile. Stérile veut dire que c'est un monde qui n'est pas enceinte pour qu'elle fait petite. Mais, même là que l'Anne n'est pas enceinte pour faire petite, tandis que Pélina qui était rivale, quand terme haïtien a dit, qui était en coterie pour lui-même, qui était en coterie lui-même, il a gagné plusieurs petites. Et le fait que Anne pas de gain petite et Penina te gain petite li passé Anne en dérision et dans des places à Sambal d'hier c'est pas moi qui inventé dans langage haïtien dans coutume haïtien dans mœurs nous dans culture nous depuis on femme pas fait petite nous dit que son on hybride que li qui ça n'entend pas hybride. Hybride, c'est un bête qui pas qu'à faire petite. Ça qui fait pas qu'à faire petite, parce que le fait que hybride là, c'est soit que papa, ce cheval,
maman c'est bourrique ou bien bourrique c'est papal, maman c'est cheval. Peut-être que son hybride lié, il pas qu'à faire petite. Par exemple, mon mulette son hybride. Il sorti de cheval avec bourrique. Et il y a des gens qui connaissent tellement connaît bien qui laisse ses bourriques là papa et qui laisse ses cheval là papa par rapport à maman tout ça, il y a des gens qui fait étude sur ça. Et puisque son hybride il pas qu'à faire petite, et ben Penina lui même gain petite, chaque fois le Anne n'a passé la jouer Anne. L'a joué à la dit Anne maman Milette. Mais ça fait mal mes amis. Penina traité l'autre là mal, il joue lui. Tant que c'est lui qui pas qu'à faire petite. Penina passé dans dérision. Penina relil mon hybride. Mais ça pas fait qu'elle content. Et tellement ça pas fait qu'elle il crier. L'offre a joué comme ça. La Bible dit qu'il mortifie. Peut-être mortification son mot qui forme ça, oui. Ou rentre dans tout. Dans mon nom. Ou nuit mon nom. Ou fait mon nom. Ou passe mon nom. Ou fait mon nom une pitié. Ou fait mon nom fin. Pas mon nom quand même. J'ennuie li. Ou avec dérision. Et ou même ou a grené, li pas ka grené. Tout ça fait le mal. Mais ça te fait tellement, mais Marie a compris ça. Oui. Marie a compris ça, elle est assise là, elle a fait sacrifice. Eh bien, Marie a bal deux portions. L'elle ouais Anne pas manger, dit Anne, mais pour qui ça pas manger Anne? Ou a crié, pour qui ça a crié? Est-ce que vous ne pas avoir plus que 10 petits garçons pour vous? Mais parole, c'est parole. Action, c'est action. Il n'y a pas une petite vraie, ou une main vraie, mais elle n'y a pas une petite. Mais Anne était une femme de conviction. Puisque Anne était une femme de conviction, là, elle est dans le temple, là, elle prie l'Éternel pour demander l'Éternel petit. Elle demande Elkana, bon petit. Tant que c'est Elkana qui n'a pas le petit. Mais Elkana qui a le petit, c'est le cabal Penina petit. C'est que le cabal Anne petit tout. Mais la Bible dit que c'était bon Dieu même qui te rend Anne stérile. Et laissez bon Dieu qui rend nous stérile. Si le bon Dieu voulait la retirer, le soyez. Docteur, pas qu'à boire aux médicaments, pas qu'aucun café pour rien, parce que c'est bon Dieu qui rend nous stérile. Mais la Bible dit comme ça que Anne allait prier bon Dieu. Il tellement prié bon Dieu, la mamoté. Et Elie, le sacrifié, a dit à homme Anne, grand matin, l'orgue est en sous. Oh, là encore, l'autre humiliation. Une femme qui est en danger, qui a un problème, parler. Moun qui t'a aidé le sacrificateur me dit mais comment on sou grand matin? Il dit non. Serviteur moi. Même pas sou. Bon moun de vergonde non. Son bon moun que mieux. C'est bon Dieu qui rend moi stérile même vin mande bon Dieu petite. Et petite que bon Dieu bon moi, m'a mande bon Dieu depuis le bon moi, m'a balé encore. M'a prêté le pour toute ville. La prêté et réellement ça fait vrai. Et les que pour et Elie vient connaître comment Anne lui prie pour Anne vraiment Anne enceinte Anne vient petite et quand Anne vient petite puis qu'on monte chaque année à silo mais ne pas qu'à monter la petite petite là c'est vrai et qui ça l'entend petite c'est vrai nous même on a été longtemps nous bâti mon tété pendant jusqu'à 2 ans même mais quand il y a la guerre mon gars même bâti petite tété même bon c'est un jour bon et il était grand pile raison qu'il faut bal tété il prend jeune femme maman lui et puis le fait encore ça qu'un bill s'il ta malade la peut qu'à supporter parce que quelqu'un force pour qu'à supporter cette maladie. Eh bien, Samuel, c'est vrai, c'est les salap menel à silo pour remettre le sacrificateur. Maintenant, pas c'est vrai, c'est là que petit la gen certain bail qui a fait peut-être pas. Ouais. Là que peut-être qu'il a mangé pour contre lui. Au moins qu'a mettre rad pour contre pas même s'il petit. Li menel bail remettre et lili il rete avec temps non avec Eli. Et chaque fois elle l'a monté à silo, il pour ton petit robe pour petite lui, Samuel. Et depuis le tout petit Samuel rete là jusqu'à ce que bon Dieu vienne gain problème tout avec Eli le sacrificateur. Parce que depuis Eli a fait mauvais bagaille. Il a couché fui dans temps bon Dieu, fâché. Bon Dieu tué.
bon Dieu, tu es, nous pas fait pour nous faire bailler comme ça, non, pour nous respecter, maison, bon Dieu, oui. Bon Dieu, tu es petit, Dieu. Tu es petit, Elie. Et mais Elie même, il mourit tout, oui, parce qu'elle était gros. Et pendant qu'il vient dire petit, il mourit, il était sur une chaise, il se tombait, col cassé. Mais avant ça, l'Éternel parlait avec Elie encore, à qui il parlait avec le jeune Samuel. Pendant Samuel couchait, il tendait l'Éternel relil. L'Éternel relil, il part. Et pour une fois, l'Éternel relil, il part contre l'Éternel. Là, je ne relil contre l'Éternel. Il dit, mais moi, il dit, je ne parle pas. Il couchait encore dans le devoir, il est là encore. Il levait la côte, mettait l'Éternel. Il dit, je ne parle pas. Et il vient comprendre. Il dit, l'autre, voir ça, dit Seigneur, parlez. Serviteur, attendez. Écoutez. Quand il y a l'Éternel parlé avec Samuel. Qu'on y a tellement l'Éternel parle à Samuel, qu'on y a c'est Eli qui a demandé, dis-moi ça l'Éternel te dit. Mes amis, cherchez-moi pour nous pas perdre position dans mon Dieu, non? Lors d'une perdre position dans mon Dieu, on comprend ça bien dans la politique haïtienne et autres. Qu'on y a tellement pas qu'on encore, qu'on y a venu, c'est mon nom demandé. Qui ça, mon Dieu, te dit? Parce qu'on est à côté. Et non seulement, là que Anne finirait de mettre petite là, à sacrificateur, L'Éternel ba Anne plusieurs autres petites pour petites qu'elle te prête là, li ba plusieurs. C'est ça qui fait que Anne gon cantique de quand les cantiques Anne écrit qui dit que qu'on y a les stériles qui pas de faire petite la faire petite, moun ki t'ap fa avant qui te qu'on a dit et m'pa faire petite là, qu'on y a le pas ka faire encore, c'est moi qui a fait. Mais pour que ça le pas ka faire, il t'a fait en pile déjà et là il peut-être venir avancer, le pas ka faire encore. Il vient dans monopole, il n'y a pas qu'à faire quoi. Tandis qu'on y a à la fin petite. Anne très content vous dit que on l'a tap fait, qu'on n'y a pas qu'à faire quoi, qu'on y a fait qu'à faire. Mes amis, elle nous servit, mon Dieu. Elle cadre gain deux madames. Il te gain Anne et te gain Pénina. Pénina te fait un pile petite, te fait garçon, te fait fille. Tandis que Anne n'a pas qu'à faire. Et Pénina t'a bioré Anne. Et bon Dieu renverse les choses. Qui fait que quel que soit mon cap nous là, l'Éternel a renversé le cas. Mais la Bible dit comme ça que l'Éternel combattra pour vous et vous, vous garderez le silence. Mais soit goumé tout. L'Éternel de pouvoir goumé qui est goumé pour contre. L'or fin goumé, l'or ça le paraît, oui. De beau capable. Goumé. L'or balou fini. Eh bien, ça qui passe, la paraît. Gardez bien. Le David, ça parle Gouma Goliath. La Bible dit qu'il prend 5 tiroches. Et moun qui connaît bien les chiffres 5, 1 à 5, connaît qui ça a été signé, ça a été vle dit. Et la Bible a expliqué ça a été dit. Et bien, il prend tiroche li a, il mette dans le festival li. Alors, nous dit festival, mais il était un flon qu'il était. Nous comprenons ça, il était un flon. Il mette la donne. Il dit, ou même, ou ap marche avec moi. Avec épée, avec jalousie, moi-même, au nom de l'Éternel, pauvre. Il prend le front, ou bien dans le temple, il tombe, l'aile tombe. David parcourt, il fait bac, non, il court sur lui, c'est avec épée que tu es maintenant, David coupe cool. C'est avec épée que tu es maintenant, il coupe cool. Et nous connaissons que comment ça te fait un pile bagaille. Même ça, il te fâché. Lè que David fait des de grands exploits. Il dit que le roi a tué 1000 et David tué 10 000. Eh bien, le roi a été fâché. Et depuis longtemps, il a fait ça. Comment faire le roi a été mille tué et vous-même qui parle roi a tué 10 000? Et femme a chanté belle chanson. Le roi a tué 1000, David a tué 10 000. Le roi a fâché. Il fait des jalousies son mari là longtemps. Il a l'autre. Que bon Dieu bénisse nous pour nous commenter parole ensemble. Que bon Dieu, c'est bon Dieu nous lier là. Toujours bon Dieu nous, mais fait volonté. Plutôt tout le monde compte tout, l'Éternel par contre. Car si bon Dieu pour vous, ou bien gardé. Ou bien gardé. La Bible dit comme ça que si vous obéissant, vous allez manger meilleur fruit dans le pays. Et la Bible dit encore, tout le monde mette pied ou, libéral comme héritage. Qui fait nous même qui là en Haïti qui là aux États-Unis bon Dieu ban nous comme héritage comme bien nous comme terre nous pas aucun monde qui a retiré nous la donne
parce que bon Dieu ban nous. Que bon Dieu ben nous, que bon Dieu encourage nous, pourquoi ça? Quand on mette pio là, c'est pour que lié, c'est l'Éternel qui baoule. Et aucun monde pas qu'à prendre dans mon. Parce que ça bon Dieu baille, il baille net. Et la Bible dit que ça bon Dieu baille, il pas baille aucun chagrin. Bon Dieu pas jamais baille chagrin petit. Que bon Dieu ben nous. C'était serviteur pasteur Lucien Mietil. Que bon Dieu bénisse nous à la semaine prochaine, si Dieu veut, pour nous commenter la parole de Dieu. Car bon Dieu, c'est bon. Ou branché sous Radio Télé Planète Compas. Pas oublier les ap changer dimanche 3 novembre Cap Vinien à partir de 2h dans matin officiellement. Ou pral dormi samedi soir à 9h tout mettez in en arrière. Et pas oublier by support.